Coucou toi, aujourd'hui je suis au parc des expositions à Porte de Versailles à Paris et je suis venue exprès pour rencontrer Frédéric Pétorin qui a un jeu de cartes qui est Se connaître par les couleurs. Alors j'aime beaucoup son travail, on peut s'abonner gratuitement à sa newsletter et elle nous envoie chaque semaine le climat de la semaine et comme ça fait un moment que je la suis, j'avais vraiment envie de venir la rencontrer et je suis venue la rencontrer aujourd'hui. Et je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle pouvait nous dire pour les personnes qui cherchent leur mission de vie, parce que en fait tout son travail au niveau des couleurs c'est déjà comment utiliser les couleurs au quotidien pour appuyer nos intentions, mais en plus c'est comprendre par les couleurs et par un tirage de cartes qui nous sommes, dans quelle énergie nous sommes en ce moment. Et je trouve que c'est un jeu de cartes et une façon de travailler qui est extrêmement pertinente et intéressante et nouvelle. Et moi qui me parle beaucoup parce que j'aime beaucoup les couleurs, comme tu peux le voir dans mes vidéos, j'aime bien m'habiller avec plein de couleurs comme ça. Voilà, donc bah, écoute, je voulais juste te faire découvrir ça parce que je trouve ça trop génial et que ça mérite d'être connu. Donc je te fais des gros bisous, je te dis à bientôt et si tu veux toi aussi trouver ta mission de vie, tu peux cliquer sur le lien en description de la vidéo, il y a un programme de 21 jours et c'est gratuit. Gros bisous, à bientôt, ciao ciao. Un petit conseil aux personnes qui sont en recherche de leur mission de vie, en recherche d'exprimer leur authenticité, d'exprimer qui ils sont. Pour pouvoir aller dans cette voie d'authenticité et dire sa vérité à soi-même, on peut déjà utiliser un tarot couleur. Pourquoi ? Parce que le tarot couleur vient mettre à plat votre inconscient sur la table. Il se présente sous forme de couleurs, 44 couleurs sous forme de jeu de cartes. Et dans cette démarche de poser son inconscient sur la table, on a des réponses très concrètes avec chacune des cartes. Par exemple là, si on ouvre ici, on a la clé marron. La clé marron sur du velours, il y a plusieurs tissus différents, des clés, des pierres précieuses. Eh bien, cette clé marron, elle vient dire, elle demande, elle invite à libérer les pardons, à faire des actes de pardon, par exemple. Mais ça pourrait être une autre couleur. Par exemple ici, dans le diamant vert d'eau, c'est l'âme. C'est la guidance de notre âme. Parce que quand on vient en incarnation, on oublie nos pactes d'âme. Et finalement, dans notre vie incarnée, on a des tas d'occasions de se rebrancher sur ce pacte d'âme. Souvent, ce sont des épreuves. Et si on en fait la bonne lecture, on se rend compte que ces épreuves sont là pour nous faire grandir. Donc, vous avez simplement interrogé ce tarot couleur que j'ai créé il y a 5 ans maintenant. Ah oui, déjà. Oui, et qui a été repris par les éditions Le Courrier du Livre, qu'on peut trouver justement sur Amazon, à la Fnac, et bien sûr dans mon cabinet si vous venez en consultation. À Paris. À Paris, dans le 15e, en face de Necker, le métro Falguière. Ok. Voilà, avec plaisir. Merci beaucoup.